Au moins 10 000 personnes en une matinée sur la place des Cocotiers. Nouméa Centre-Ville y a organisé le premier vide-grenier de 2020. Vêtements, livres, objets de collection, vaisselle ou bibelots, on trouvait de tout. De quoi satisfaire les clients à la recherche de bonnes affaires. Il y a des affaires pour ma fille, avec du linge pour moi. En général, ce qui est intéressant, c'est toutes les petites merdouilles, toutes ces petites choses-là qui coûtent rien, qu'on peut acheter et puis revendre aussi sec, ou alors faire cadeau, et puis voilà. Un peu de tout, des pantalons, des t-shirts, pour toute la famille, des petits, notre père, des frères, pour tout le monde. Pour l'occasion, les 260 emplacements étaient occupés. Ils ont permis de vider les placards et d'alléger les collections. Les coquillages, les perles de Tahiti, ça a bien plu. Voilà, les billets de banque, les pièces de monnaie, tout ce qui a trait à la collection. La bande dessinée et aussi les ouvrages sur la Calédonie. Pour les jeunes, pour les collectionneurs, ils trouvent ce qu'ils cherchent, quoi. Beaucoup de vêtements des enfants, les jouets, puis les choses pour la rentrée des classes. Je suis venue avec 3 valises et je repars avec une petite valise. Ce vide-grenier avait rarement attiré autant de visiteurs, une réussite sans doute liée au calendrier. On a une semaine de la rentrée scolaire, donc je pense que les gens, ils ont envie de faire des petites emplettes pour bien redémarrer l'année avec leurs enfants, etc. Le prochain vide-grenier sur la place des Cocotiers aura lieu le 8 mars. Inscription en ligne à partir du 12 février. Si vous souhaitez un emplacement, ne tardez pas, ils sont souvent pris d'assaut.